façon impossible. Voilà, la grande gare, oui, la grande gare à New York. Donc le chemin de voyageur, ferroviaire de voyageur, a pratiquement disparu à partir de 1970, et le fret a failli y passer. Mais ils se sont rendus compte que c'était indispensable, et ils ont passé une loi de libéralisant un peu les choses, le Staggers Act, au début des années 70, qui a desserré l'étau qu'il y avait autour d'eux, et qui leur a permis de croître de façon extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chemin de fer de fret aux États-Unis, il est, ayant été libéré comme ça, et comme par ailleurs, il n'y avait pas le voyageur qui a des caractéristiques très différentes, on peut dire que le réseau... Ils sont plus spécialisés juste pour une tâche. Exactement. Et du coup, enfin, si on compare, les réseaux européens sont des réseaux spécialisés voyageurs, ou essentiellement tournés voyageurs. Et en voyageur, on cherche la fréquence, la rapidité, ce qui fait que c'est incompatible avec des trains longs et lourds et lents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chemin de fer fret est en train de crever en Europe, en bonne partie, enfin ça devient très très difficile, en particulier en France, alors qu'aux États-Unis c'est l'inverse. C'est le chemin de fer voyageur qui a disparu. Et les chemins de fer de fret aujourd'hui sont particulièrement attentifs à ce que le voyageur ne revienne pas. En disant, si jamais il revenait, voilà. Alors, exemple, la politique de Union Pacific aujourd'hui, qui est un des deux grands réseaux en Californie, c'est surtout pas de ne parler même pas d'utiliser mon terrain pour y planter des poteaux de structure, pour y mettre un train dessus, c'est non. Voilà. Donc, d'où les ennuis qu'ils ont ici sur la péninsule, puisqu'ils ont notamment des droits de passage sur San José, San Francisco, qui leur appartient plus parce qu'ils l'ont cédé, mais ils ont des droits de passage. Et au sud de San José, ça appartient encore à l'Union Pacific. Et donc, Union Pacific, c'est not on my right of way. Ça éclaire certaines choses. Mais tu me disais que dans les trains de fret, les Américains, je ne sais pas si c'est moderne ou ancien, avaient des records de longueur et de tu disais combien de tonnes? Disons que nous, un train en France, un train lourd, même hyper lourd, on appelle ça hyper lourd, c'est 3600 tonnes. Ça fait combien de wagons, ça? Ouais, ça fait... Ça dépend des... Oui, c'est 45 wagons, 45 wagons, comme ça. Un chemin de fer standard ici, un train standard, c'est 100 wagons. Et le Pennsylvania Railroad, dont je parlais tout à l'heure, là, en 1967, il n'y a pas longtemps avant de disparaître, relativement pas longtemps, faisait des essais avec des trains de 400 wagons, 35 000 tonnes. Donc, enfin, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres de long, quoi. Il faut combien de motrices pour... Il est réparti, ça. Il faut voir qu'ils avaient des locomotives à vapeur absolument extraordinaires, qui s'appelaient les Big Boys. Il y a l'équivalent au chemin de fer à Sacramento, là, au musée. Là, je vous recommande la visite pour ceux qui connaissent ça. Il y a une machine extraordinaire qui est à peu près la même puissance que les Big Boys, c'est-à-dire les plus grosses machines à vapeur qui aient jamais été faites au monde, et qui, toute seule, les Big Boys, c'était 108 km/h en rampe non négligeable avec un train qui faisait 4000 ou 5000 tonnes, une seule locomotive. Et alors qu'il y avait une capacité en eau, une consommation absolument phénoménale. Et alors, dans les grands tunnels des Rocheuses, le gros problème, c'est que ces chaudières tunnels égalent enfumage du mécanicien et de son chauffeur. Donc, pour éviter ça, ils ont mis la cabine à l'avant. Et donc, la locomotive à Sacramento s'appelle une cab forward. Elle a une forme assez bizarre, c'est qu'elle a la cabine devant la chaudière. Comment est-ce qu'on alimente en charbon? Ils avaient de l'alimentation automatique. Et puis, avec un tender, avec un... Oui, c'est eux qui ont inventé des pistes sans fin qui alimentaient en continu. Et donc, les chemins... aujourd'hui, un train de combiné, de transport combiné, comme on dit, c'est-à-dire les conteneurs qu'on met sur les wagons, pour eux, un train standard, c'est 100 wagons et deux conteneurs l'un sur l'autre partout. Donc, c'est un train standard, c'est 200 conteneurs, hein. 200 conteneurs de grande longueur. En France, quand on a un train de 25 à 30, on est très content. Donc, vous voyez l'écart de productivité, il est absolument colossal. Et ces chemins de fer de fret aujourd'hui ont une excellente rentabilité, ils ont 12% de rentabilité nette. Pour les bons. Alors ils se sont beaucoup concentrés. Il n'y en a plus que 4 grands aujourd'hui. Mais ils arrivent à investir. Les 4 qui sont Les 4 qui sont, alors c'est le Burlington Northern Santa Fe. Ouais. Ils sont chacun issus d'une suite de fusions énorme. Donc Burlington Northern Santa Fe, le deuxième c'est Union Pacific. Ce sont les deux qui se partagent l'ouest, en gros, si on trace une ligne de Chicago au Texas. Mm-hmm. À l'ouest de ça, c'est UP et BNSF. Et à l'est de ça, c'est CSX et Norfolk Southern. CSX, Norfolk Southern. Et alors, il y a deux grands Canadiens en plus,
CNCP. Et voilà, aux États-Unis, c'est 4. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici. Parce que sinon, excuse-moi, parce que sinon, on va continuer, enfin, c'est quand je parle de ça, on va continuer à arriver des grosses locomotives. J'ai encore cet âge-là. Hein. Oui, donc, mais il y en a beaucoup encore. En face d'une locomotive, moi je vais aller à Sacramento. Il faut aller à Sacramento. Oui, c'est fait, c'est décidé. Allez, si tu n'y es pas allé, c'est un scandale. Oui, ben voilà, c'est un scandale. Il faut réparer. Et c'est où le musée? Il n'est pas très loin de la gare. Non, pas. Voilà, mais c'est pas où la gare. On peut aller à la gare du Capitole à pied, je l'ai fait vendredi. Alors, parce que je suis allé dans un musée à. Je ne sais pas si c'est Mulhouse. Oui. Il y a un musée de ferroviaire. Le musée de Mulhouse. Le musée européen. J'ai quand même été dans les musées ferroviaires. Hein. Oui, oui. Enfin, déconner, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Raconte-le. Alors, ce que je fais ici. Bon, déjà, je suis déjà venu il y a 20 ans. Oui. Et. Bon, c'est une chance extraordinaire. C'était à peu près jamais arrivé avant. Mais pour essayer, la mission, c'était de vendre du savoir-faire d'ingénierie ferroviaire française. Comme aura dit Coluche, c'est dur qu'on n'a pas un exemplaire sur toi. Hein. T'avais pas d'échantillon. J'avais pas d'échantillon. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fret, ils ne nous attendaient pas. C'est clair. Encore que j'ai quand même essayé de leur vendre des trucs, mais c'était juste invendable parce que c'était des systèmes informatiques. Et là, on est bon parce que l'informatique de l'époque, il fallait que ça soit très centralisé, c'était du lourd. Hein, à la terre, enfin, comme les machines. Donc des entreprises comme la SNCF, c'était plutôt à la pointe de l'informatique à l'époque. Hein. Années 70-80. Et on avait un système très très élaboré qui permettait, je les ai assez sidérés d'ailleurs, depuis on s'était branché à Fort Worth, puisque c'était le centre du Burlington Northern, c'est resté d'ailleurs. Et depuis Fort Worth, on suivait sur un grand écran le mouvement individuel des trains en France. Et je leur faisais demander, interroger un wagon, un numéro de wagon, paf, vous pouvez savoir où il est, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, d'où il vient. Il y avait juste un problème, c'est que c'était développé sur du bulle, et sur des langages ésotériques et des trucs, et sans notice, évidemment. Oui, ADA, voilà, donc, du code sans commentaire. Exactement. Voilà. Les vrais mecs ne mettent pas de commentaires, c'est pour... Voilà. Alors ça marche bien, à SNCF, mais quand on veut vendre aux États-Unis, ça marche plus du tout du bulle. Voilà. Bref, donc, vendre du bulle aux États-Unis, oui. Ouais. Donc rien à faire côté fret. Côté voyageur, Amtrak avait un accord de coopération avec la SNCF, donc considérait qu'ils pouvaient tout avoir gratis. Et en plus, ils n'avaient pas un rond, donc ça n'aidait pas pour vendre des choses. Et puis dans le domaine banlieue, ils n'étaient pas encore bien développés, quoi, donc ils ne nous attendaient pas vraiment. Ce qui fait qu'il restait que la grande vitesse. Et donc je me suis intéressé dès ce moment-là aux différents corridors. Alors, à l'époque, la grande vitesse existait déjà depuis une dizaine d'années en France, pas encore beaucoup ailleurs, donc on était très en avance. Et Alstom, grand vendeur de trains, avait jeté son dévolu sur les États-Unis pour essayer d'en vendre. Et ils avaient recruté d'ailleurs l'avocat qui avait été choisi pour supprimer en fait le Penn Central. Quand Penn Central est passé dans le Cap Caribbean, quand il y a eu la banqueroute, ils ont coupé ça en deux, ils ont repris le voyageur du Penn Central et c'est devenu Amtrak, avec le voyageur des autres qui ne voulaient plus en faire. Et le fret est devenu Conrail, les deux étant sous tutelle de l'État. Et Conrail avait pour mission de redevenir dans le noir et de se privatiser dès qu'il pouvait, ce qui a été fait assez vite. Et maintenant, ils ont été absorbés par CSX et Norfolk Southern. Mais alors, pour ce qui est de l'avocat qui avait été désigné pour cette disparition, est devenu le Federal Railroad Administrator, hein, ses compétences étant avérées, sous Reagan. Et ensuite, comme il s'est vite trouvé sur le marché, Alstom a pensé que c'était une bonne idée de le recruter pour le mettre à la tête de The TGV Company à Washington. Et la SNCF là-dedans était une aide technique, mais pas plus. Et à l'époque, ils avaient déjà identifié la Floride comme corridor numéro 1, le Texas et la Californie. Il y avait le Nord-Est, mais le Nord-Est, ça faisait déjà longtemps qu'ils modernisaient. Il faut savoir qu'entre New York et Washington, qui fait à peu près la distance de Paris-Lyon, ils ont dépensé l'équivalent de ce que nous on a dépensé pour construire les deux lignes nouvelles Atlantique et Sud-Est. C'est-à-dire que le fait de retaper un vieux chemin de fer au milieu des villes, etc., beaucoup très cher. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, ils voulaient tout juste à 200 à l'heure, et aujourd'hui, ils font un peu de. Bref, donc,
TGV Compagnie, ça n'a pas trop bien marché. Mais ce qui a beaucoup fait tort à la grande vitesse américaine, c'est que Amtrak, qui en faisait la promotion quand même, disait que c'était très rentable. Forcément, les deux exemples, c'était le Tokaido au Japon, entre Tokyo et Osaka, et puis Paris-Lyon en France, qui avait un taux de rentabilité de 15% pour l'entreprise et de 15% en plus pour la société. Donc c'était une vache à lait, et de façon très, très démontrable et claire. Alors la SNCF a entièrement payé l'infrastructure, le matériel roulant, les gares, enfin tout quoi. Enfin, les gares, il n'y en a pas eu beaucoup. Bref, donc présenté comme une vache à lait, en disant aux États-Unis, il faut en faire, le terrain est idéal, ça va faire la même chose. Sauf que ça a réveillé ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'esprit du public et des politiques, la question, c'était du coup de s'apprêter à réguler ce nouveau truc qui allait sortir du ferroviaire. Donc, les représentants, je prends par exemple Ann Richards, qui était gouverneur au Texas à ce moment-là, le souci, c'était, attention, n'aidons pas trop ces nouveaux projets, parce que, en fait, la question, c'est qu'ils n'exagèrent pas. Donc, en fait, l'environnement éthique n'était pas là. Puis alors, l'opinion n'était pas vraiment prête non plus. C'était quand même le royaume, c'est toujours le royaume de la voiture, de l'avion. Donc, pas prêt. Mais ça m'a permis déjà d'être en contact avec la Californie, le Texas et la Floride. Et bien, avec, d'une part, alors, le projet Californie a progressé tout seul, plus ou moins bien, mais assez vite, les promoteurs du projet ont pensé qu'il fallait absolument voter quelque chose pour avoir de l'argent d'État, de l'État de Californie, pour contribuer au financement du projet, ce qui était un bon calcul. Sauf que ils ont voulu passer ça dans une proposition qui était prête depuis à peu près 2000, et après ils ont attendu le moment favorable pour tenter de la passer. Hein, sauf que tenter de passer une mesure d'autotaxation, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que c'est pas donné. D'ailleurs, ça s'est passé à la surprise générale en novembre 2008, la fameuse proposition One Aid. C'est 1 milliard de dollars, c'est ça ? 9,95 exactement pour le ferroviaire, dont 9 pour la grande vitesse. Donc la Californie a aujourd'hui la capacité de s'auto-taxer de 9 milliards de dollars pour contribuer au financement de la grande vitesse. Alors quand vous entendez dire qu'il y a 9 milliards disponibles, ils ne sont pas disponibles, il faut lever une dette pour ça. Ça nous conduit à la situation d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors ce que je suis venu faire en fait ici, c'est comme l'environnement est beaucoup plus favorable grâce à cette Prop 1A, grâce à la politique de l'administration Obama, si le chemin de fer à grande vitesse a une chance peut-être de voir un jour le jour ici, enfin aux États-Unis en général, en Californie en particulier, c'est le bon moment, c'est le moment où j'ai quoi. Donc mon rôle, c'est d'essayer de faire que ça existe et que la SNCF y joue un rôle, le rôle visé étant d'être exploitant. Enfin, pas tout seul, il faudra créer une société américaine, sans doute pas tout seul. Et alors, notre rôle est particulier. En France, le ferroviaire a beaucoup changé. En Europe, souvent, enfin, ça a encore une longue histoire, on pourrait parler toute la soirée. Mais la chance qu'on a, et si le système TGV marche aussi bien, parce que je considère que c'est un système remarquable, pas seulement au plan du service au client, mais au plan de la réussite économique et technique. C'est un ensemble. C'est parce que, justement, ce système a été conçu par la SNCF à une époque où elle savait tout faire. C'est-à-dire qu'en gros, elle a eu l'idée, elle a développé l'idée et elle a quasiment fait les plans de tout, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit du matériel roulant, de tout. En gros, elle a donné les plans à Alstom en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Alors c'était contraignant pour Alstom, enfin ça avait surtout comme conséquence qu'Alstom n'avait pas la capacité d'être autonome, puisque ils dépendaient uniquement des commandes. Du coup, ils étaient très désarmés par rapport à leurs concurrents sur au plan international, donc ce qui était un handicap quand même important. L'avantage, c'est que le train, il était fait pour être exploité. Si on compare par exemple le système allemand, c'est complètement différent. Le système allemand, c'est un train d'industriel en fait. C'est-à-dire, c'est un industriel qui construit un produit et cherche à le vendre. Alors au départ, c'était un groupe d'industriels, maintenant c'est plus concentré, mais ce qui fait qu'il y a toujours une différence importante dans l'économie du système allemand par rapport au système français. C'est-à-dire aussi bien en exploitation qu'en maintenance, c'est assez évident que si c'est l'exploitant qui conçoit le système, il va chercher à le faire d'une façon qui soit facile à exploiter et pas cher, et non pas de manière à maximiser le profit du constructeur. Voilà. Donc,